cours de français pour CM2, collection Coquelicot. Unité numéro 2, l'aventure. Lire, texte page numéro 20, l'ours. En France, l'ours a disparu, sauf dans les Pyrénées. Pour survivre, l'ours s'attaque aux troupeaux de moutons que les éleveurs montent l'été dans la montagne. Les éleveurs détestent l'ours, mais celui-ci est protégé. On n'a pas le droit de le tuer. Une nuit, l'ours attaque un troupeau dans un pâturage situé près d'une petite forêt appelée le bois du Baralais. Le berger appelle au secours les propriétaires des moutons. Thomas est le fils d'un gros éleveur. Il accompagne son père. Les hommes quittaient le village, des bâtons, des fourches, des fusils à la main. Le ciel était violet, troué d'or et de rose. Thomas marchait à côté de son père, silencieux, le souffle court. Une pointe d'angoisse le piquait au ventre. C'est la fin de l'été, remarqua le vieil Anselme, l'époque où les ours s'attaquent aux troupeaux. Je ne comprends pas qu'on tolère qu'une dizaine d'ours se baladent en liberté dans le coin, reprit le père de Thomas. C'est vrai, renchérit un gros barbu du nom de Laspierre. Rappelez-vous ce qui s'est passé à Yèze il y a 7 ans. Qu'est-ce qui s'était passé à Yèze ? Interrogea le garçon. Une cinquantaine de brebis ont été perdues en une seule nuit, expliqua son père. Beaucoup se sont jetés dans le ravin pour se sauver, d'autres ont été broyés contre les barrières. L'ours n'en a dévoré qu'une. Mais où est la différence pour le berger ? Les massacres sont quand même rares, intervint Anselme. Il y a des années où l'ours ne fait pas parler de lui. On se demande alors s'il est encore là. Mais quand il revient, il se rattrape, appuya Laspierre en levant son fusil. Qui sait ce qu'il a fait cette nuit au Baralais ? Il laissa passer un silence et conclut. Moi je dis que les ours, il faut les enfermer dans un zoo ou les abattre. Il n'y a pas de place au même endroit pour eux et les bergers. Si je tombe sur un ours, je le tue. Le bois du Baralais s'arrêtait net sur une estive. Les hommes s'arrêtèrent sur le pré. Les bêtes s'étaient échappées. Certaines couraient encore dans tous les sens, affolées. Des bêlements de terreur retentissaient ici et là. Le berger chargé de surveiller le troupeau arriva en triturant son béret. J'étais dans le Kuyala, vers 1 h du matin, les bêtes se sont agitées, la pastour a aboyé. Alors je suis sorti, mais on y voyait goutte, avec la nuit et le brouillard. On entendait les cloches des brebis, plus bas, mais rien qui ressemblait à une panique. Tu n'es pas allé voir les bêtes ? Demanda le père. Le chien aboyait vers la forêt, mais il restait près de moi. J'ai cru qu'il avait simplement reniflé un renard. Je suis rentré dans le Kuyala et je me suis rendormi. Quand est-ce que l'ours a attaqué ? C'est arrivé d'un coup avant la fin de la nuit. Il n'est pas loin, dit Laspierre en levant le nez comme s'il cherchait à déceler l'odeur de l'ours. Thomas ne pouvait détacher ses yeux des piquets qui avaient été brisés, broyés, déchiquetés malgré le barbelé qui les entourait. Avec quelle force, quelle rage, l'ours s'était acharné à les détruire. Plus tard, en cueillant des myrtilles dans la montagne, Thomas découvre par hasard le repère de l'ours. L'ours. Il sentait l'ours tout près. Il se redressa d'un bond, s'enfuit sans s'occuper de la direction. Le sang cognait dans ses tempes, sa poitrine le brûlait, et il ne voyait plus qu'à travers un brouillard de larmes. Un bruit soudain. Un crépitement de pierre. Une forte odeur coula des rochers jusqu'à lui. Une odeur de bête qui avance, qui approche. Il se fit tout petit, certain que s'il apercevait l'ours, il ne pourrait se retenir de hurler. Le Pédescaou, il est revenu. Oh mon Dieu ! Faites qu'il ne me trouve pas, faites qu'il ne me trouve pas,
se répétait-il, la tête plaquée au sol, les doigts croisés sur sa nuque. Il sentait la terreur le gagner, son corps ne serait bientôt plus qu'un immense tremblement. Quelques pierres roulèrent, puis l'effluve s'estompa. Le visage dans l'humus, Thomas ne respirait plus. La bête s'était-elle éloignée ou le vent avait-il tourné? Il n'osait pas relever la tête pour regarder. Attendre, attendre, criait son cerveau en détresse, attendre, attendre. Sauvez-moi, mon Dieu, sauvez-moi. Faites qu'il ne se soit pas arrêté là, devant moi. Un nouveau bruit lui parvint alors, plus loin sur sa gauche. Un bruit de mâchoire broyant des os. Il est retourné à sa réserve. Il a dû voir qu'elle a été dérangée. Il va renifler partout. Il va me trouver. L'enfant eut l'ultime conscience qu'il lui fallait se sauver au plus vite. Profitant de ce que l'animal était occupé à dévorer ses proies, il s'arracha de sa cachette, contourna l'éboulis et se jeta dans la pente qu'il dévala sur le derrière. Thomas rencontre ensuite des oursons et leur mère. Malgré sa peur de ces animaux, il comprend qu'il doit tout faire pour éviter leur massacre par les éleveurs.